Kev Adams s'invite dans le réveil du roi sur Énergie. Bon réveil, 9h49, si vous réveillez à cette heure-ci. Le mec qui fait l'ambiance de derrière. Blé du roi. Alors attends, on va faire les comptes un petit peu parce qu'on s'est parié un truc en antenne. Moi je lui ai dit que je lui payais un bon resto si on arrivait à 75 000 dans la journée. Il dit tu rigoles ou quoi? J'ai 2 500 000 personnes qui aiment ma page. Tu rigoles? Non mais vraiment, honnêtement je compte sur les gens qui sont sur ma page. Je te dis franchement, je pense que d'ici la fin de la journée, Isa se fait tes sauts par un parachute. J'adore l'expression. C'est obligatoire. Alors on va voir, Isa, tu peux nous dire on est à combien pour l'instant? Eh bien nous sommes à 74 169 mon cher Olivier. 169 j'aime, voilà, moi ouais, je pense, j'ai laissé d'ici la fin de la journée, vous me tiendrez au courant. C'est cool, d'ici on a gagné 4 personnes, journée, merci beaucoup Kevin. D'ici la fin de la journée, vous avez atteint 75 000, c'est garanti, c'est signé. Mais peut-être c'est ceux du qui... Adam Stamp. Mais, voilà. T'aurais dû mettre le lien vers la page. C'est vrai que j'aurais dû ça. Ah ouais, t'aurais dû, parce que là, ça va pas aller. Bon, on va faire en même temps. Les gens, t'inquiète pas, Je m'inquiète pas. Bon, Cirque Royal à Bruxelles le 17 janvier, je le rappelle, il sera au Forum de Liège le 18 janvier au Palais des Beaux-Arts. C'est exact. Le 21 mars, au Wex de Marche en Famelle. Et ben voilà, on fait les biscuits en queue là. Bon, allez, défi phrase à placer, Isa. Big Ali sort de ce corps. Alors on Big Ali, New York City. On va essayer. Les gars, vous arrêtez de gueuler 2 minutes parce qu'il y a des gens qui dorment encore. Des phrases à placer, dicton. Doucement. Alors, on va appeler un hôtel et on te fait une spéciale dicton belge. C'est-à-dire que sur la petite feuille que tu as ici devant toi, tu as 3 dictons belges. Alors, premier dicton, plus vieux est le bouc, plus dur est sa corne. D'accord. Deuxième dicton, il vaut mieux péter en société que de crever tout seul. Okay. Oui, troisième dicton, obligez un vilain, il vous chie dans la main. D'accord. Donc voilà, ça c'est 3 dictons 100% pur belge. On va appeler un hôtel pur belge et tu vas te réserver. Faire passer pour un touriste qui veut réserver une chambre d'hôtel en plaçant ça. Il faut que je réserve une chambre d'hôtel en... C'est ça, tu lui fais la causette et tu lui glisses tes 3 dictons. Ça marche. Ça marche. Ça marche. Il n'y a que des défis ce matin, Kev Adams. C'est bien. On me défie beaucoup. C'est un hôtel où? La vie est un défi. C'est à Bruxelles. L'hôtel Astrée de la réception, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur. J'aimerais réserver une chambre pour moi et ma femme. D'accord, un petit enfin, peu. Enfin, c'est pas vraiment ma femme. Et alors, on est parti pendant 3 quarts d'heure. Ah ouais, oh non. On voit que c'est l'hôtel Astrée, hein. Putain, mais changer de musique, c'est royal. Incroyable, hein, changer de musique de répondeur, quoi. Musique d'attente. Pour faire quoi, Eminem? Bah ouais, non mais... T'imagines? Non. It's cack in the music, the morning. Pendant que tu t'attends pour réserver une chambre. C'est ça, quoi. Alors... Oh... Quoi, il doit prévenir sa maman. Oh, mets-nous la musique de Soda, s'il te plaît. Ça, ah ouais, musique. Ça c'est sympa, ça. Yeah. Yeah. Ah, uh-huh. Déjà beaucoup mieux. Blé. Ok. Oh yeah. Sing. Kev Adams est dans la place. Da, 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 da. Oh ouais. Yeah. On est encore en attente là. Ouais. Non mais ils ont capté le truc, c'est pas possible. Mais ils sont vieux, faut le temps qu'ils se déplacent. C'est pas possible quoi, tu veux que je change? Vas-y, place tes phrases comme ça t'as gagné. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il fout? Bah on appelle un autre sinon, non? Bah oui. Allez, on appelle un autre, on zappe. Bah oui, oui, ça c'est une bonne idée. Bah, ouais. Alors là... Bravo commandant, bravo. L'autre problème c'est que j'ai pas checké, donc je sais pas s'ils vont décrocher tout de suite. Ça parle de quoi le nouveau spectacle? On fait la promo comme ça sur une attente d'hôtel quoi. Bah ouais. Ok. Écoute, ça parle de quoi? C'est plus personnel, c'est pour ça que ça s'appelle Voilà Voilà. D'accord, voilà. Merci. Mais avec plaisir. Allez. Bonne chance Kev. On va voir qu'ils vont pas décrocher. Eh si, faut y croire. Faut y croire. You must believe. Sur voicemail. Oh, ah, non. Super. On va laisser tomber peut-être. Tant pis. Un jour. Bah, c'est dommage. Non. Allez, franchement, il aurait pu le faire. En quoi grave, je l'aurais fait grave. En quoi c'est plus personnel? Mais pourquoi est-ce que vous préparez pas les émissions? Je comprends pas. Attends, elles sont préparées. On appelle les hôtels en amont. On en prépare 4-5, tu vois? Bah oui, mais c'est ce qu'on a raison. Fait. Mais... Est-ce qu'on allait savoir qu'Astrid allait te mettre en attente? Mais bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Ce serait pour réserver une chambre, s'il vous plaît. Pour? Oh, pour moi et ma maîtresse. Pardon? Pour moi et ma maîtresse, monsieur. Pour quand? Pour quel jour, vous voulez dire?
C'est ça? Oui, pour le 27. Pardon? Pour le 27, monsieur. Le 27, vous allez sur la site et vous réservez, voilà. Pardon? Vous allez sur la site et vous réservez. Pour le 27, il faut aller sur la cité, on ne peut pas faire ça par téléphone, monsieur. Non. Parce que je suis avec une petite jeune et vous savez, plus vieux est le bouc, plus dur est sa corne. Voilà! Ah, bravo quand même! Ah ouais, on a bien fait alors, d'attente! Alors là, mais tu l'as bien placé, moi merde, je dis bravo! Là, j'étais lancé, putain! Ah ouais, bravo quand bon. Même, c'est le réveil du roi, vous restez là, il est 9h55, on revient dans un instant, à tout de suite! Olivier et Isa, dans le réveil du roi, sur Énergie.